Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qu'il chante? Oh Kid, vous allez bien? Mais qu'est-ce que vous chantez? Oh rien, c'est une musique, c'est une nouvelle musique, c'est un nouveau son comme ils disent les jeunes là. C'est quoi les... Refaites-le, j'ai pas compris là. Attendez, attendez, je vais vous le refaire, Ouais, je vous le ouais. refais a cappella. Ouais, a cappella, ouais. Attendez 2 secondes, hein. Vous faites ça a cappella vite fait. Ouais, vite fait, bien fait, hein. Faut... Ça sert à rien non plus de se tuer le bourrichon, de se planter le bourrichon et tout. Vous le faites vite fait, bien fait, voilà. Hein. Attendez. Oui, vous inquiétez pas, je sais, il y a un peu de préparation pour ce genre de chant. C'est quoi? Piste 5, piste 6, piste 7, piste 8, piste 9, piste 10. C'est bon là? Mais c'est quoi? Et je connais pas? Vous connaissez pas? Mais non! Ah, quelle histoire, Kit, je vais pas tout vous apprendre quand même. Oh, bah, vous m'apprenez tellement depuis le début Oui, de ma je carrière. suivrai ça. Oui. C'est quoi? De... Et la musique là? La musique, vous connaissez pas? Ah non, je connais pas, non, je suis très sérieux. C'est le Skyrock? Skyrock? C'est dit fou les Romano? Oh, j'ai la ref, putain, je suis vieux. Je suis vieux, je suis aussi vieux que vous là. Non, vous avez quel âge, Kid là? Elle est où la Marie? Vous allez bien? Et oui, ça et vous? Bah écoutez, oui, ça va. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bah rien, j'essaie d'appeler mon mentor d'Icon, mais il répond pas. Alors du coup, je me suis dit, je vais appeler Comment mon. ça, Dicon, votre mentor? Bah, un peu quand même, hein. Et puis du Ouais, coup. enfin, avant Dicon, il y avait moi, hein, je vous Ah, rappelle, et hein. puis du coup, je me suis dit, je vais appeler mon deuxième moins bon mentor. Comment ça? Et qui c'est, procureur Ah, général, et pardon, qui c'est qui s'est fait excusez-moi, virer? monsieur le procureur, Hein? excusez-moi. Et qui s'est fait virer dans les deux? Mais... Pas moi! Oui, mais je pense qu'il était victime d'une. J'ai eu au téléphone, vous l'avez vu depuis qu'il s'est fait virer? Ah bah je l'ai oui, je l'ai vu je l'ai vu au procès quoi. Ah oui. Mais vous Mais l'avez. je l'ai au téléphone, je l'ai au téléphone. Vous l'avez bien niqué, là, hein? Ah bah écoutez non non Ici, non Optimus non, Prime. est-ce que c'est moi qui l'ai Salut niqué? Non, je Barry, pense pas hein, j'ai vu un finalement. homme mener la Ouais, barrière bleue de c'est Mirai Sicom les sur gens la qui étaient peau en dessous de d'angle. lui, Je n'avais apparemment, plus hein. de Bah place dans mon écoutez, au sac moins à dos. Visage Hein, triste. bon. Ouais, vous faites respecter l'ordre et la justice, bien sûr, vous amène Oui, des c'est éléments important. d'enquête. Eh, parce que j'ai eu accès à l'enquête, là. Ouais, vous en pensez quoi, vous? Ah, je sais pas, j'ai rien lu, hein. Il me fallait que je reprenne 2 mois et demi de Oui. vacances pour la lire, donc. C'est vrai que c'était un peu. Ouais. C'était un peu long, quoi. Donc, du coup, là, donc, du coup, Un j'ai eu peu sa. long, ouais. Ouais, j'ai eu sa version, et puis voilà, hein, moi ça me suffit. Hein. Ok. Enfin bon, voilà quoi. Tu sais, vous? Bah écoutez, je viens de me lever là. Ah ouais? C'est une heure pour se lever, ça, 18h50? Bah écoutez, j'étais en train de boire un petit coup là, et puis bon, je me suis dit, allez, je vais peut-être. Il y a de la lumière dehors, j'ai vu de la lumière, je suis sorti. Oui, d'accord, oui. Ouais, Et vous, du bah coup, je. vous avez des bureaux là, des vrais bureaux? Vous êtes toujours au gouvernement? On est au gouvernement encore là. Ah oui, vous êtes avec Monsieur Connor? Ouais. D'accord. Enfin, je suis avec Zohar, je suis marié à Zohar, hein. Oui, mais je veux dire, vous êtes. Vous savez, le mariage, vous n'êtes pas venu. Qu'est-ce que. Ah oui, le mariage, j'avais pas le temps, oui, c'est vrai ça. Oui, alors vous étiez. D'ailleurs, la dernière fois que je vous ai vu, c'était il y a quand? Il y a un mois et demi? Et vous êtes toujours avec Zohar. Ouais, mais d'ailleurs, il est pas là, là. Ah ouais? Ouais, il est en vacances, celui-là. Il est en vacances toutes les 2 semaines, lui. Ah ouais? Bah dis donc, c'est incroyable ça. Ouais. Quelle vie? Ah, jusqu'au jour où j'irai acheter des clopes, et puis. Ça sera plus que l'enfant, quoi. Il gérera la maison, hein. Vous avez une maison? Ah, vous avez acheté une maison en fait ou pas? Bah toujours pas là, on a toujours le la vieille baraque là, 4 fiches là. Vous voulez que je vous vende ma villa? Combien? Ah, va falloir y aller aussi, hein. Combien? Je sais pas, je peux vous la Combien? vendre. Donnez-moi un prix là, donnez-moi un prix. Combien? Combien la villa? 450 000. Oh putain, quand même. Elle est où votre villa là? Faites-moi, vous pouvez pas me la faire visiter là? Si, si vous voulez, ouais. Ouais, Enfin, tout bah de je vais suite, là. descendre. Ouais. Et ben, je vous envoie un point. Ouais, ça marche. Ça Allez, marche. à tout de suite. Oui, tout de suite. Si je peux la vendre un prix de ouf. Comme ça, après, je me démerde pour en racheter une Ici, autre. Optimus Prime.
Bonsoir. Et bonsoir. Et c'est pour réparer la voiture, s'il vous plaît. Et bonsoir. Bonsoir. Et ben, enfin un homme bien habillé dans cette putain de ville, ça fait plaisir. Eh bien sûr, monsieur le procureur. Oh bah vous allez bien, kid. Eh oui, ça y est, vous. Ah oui, ça va. Putain, vous êtes en service. Oui, pourquoi? Vous êtes bien habillé, ça fait plaisir, hein. Eh oui, merci. Et pour toi, tout le monde me dit oui, c'est quoi cette tenue? Ils sont tous habillés comme des sacs à poubelle. Ils sont jaloux, puis ils s'habillent tous comme des merdes, donc... Par contre, je vais pas avoir le temps tout de suite, j'ai un interrogatoire important à mener, là, dans les brefs délais. Bah moi, j'ai un procès 22h30, faudrait peut-être que je le prépare, là. Ouais, mais bon, de toute façon, ça va vite aller, je m'occupe pas 10 minutes, et puis ça dégage, et puis alors... Ouais, comme ça, c'est réglé. Ouais, voilà. Je vous rappelle, monsieur le procureur. Ouais. Merci beaucoup, messieurs et mécaniciens et mécaniciennes, je sais que c'est incroyable entreprise du bénéfice. Pour la machine, je sais pas, on a un truc bien tapé à l'œil, là. Ah bah, hé, vous avez qu'à le mettre en violet comme vos cheveux, là. Ouais, on va voir, ouais. Ça, c'est bien tapé à l'œil, ça. Vous pouvez aller, tout à fait, vous pouvez le faire, on peut laisser au rapporteur. Ah, il s'escape. attention à vous là. Eh ben, une claque comme ça là. Hein? Et là, t'es. C'est la voiture du procureur, ça peut vous dire qu'il n'y en a pas un qui aura les couilles d'essayer de me la voler celle-là. Et telle voiture, tel cheveu là, hein? Eh oui, hein. Eh oui. C'est une maison ça. Oui, ça c'est une maison, ouais. Et pourquoi vous voulez la vendre là? Il y a un vice caché, il y a un... Non, pas du tout, non. Mais bon, je sais que ça vous ferait plaisir à vous et votre mari d'avoir une petite maison. Du coup, moi je sais que je peux vivre quelque part d'autre, et puis racheter une plus tard, ou un appartement, ou tout ça. Enfin voilà, je vous dis, j'ai pas de... Et les voisins, c'est comment là? Les voisins, alors eux là, ils ont plus de sous pour finir la maison là. Oh les cons. Et donc... Ah d'ailleurs, attendez. Non, ouais. Ok. Oui. Ouais, ils ont plus de sous. Là, c'est très calme. Oh, les pauvres. Et puis là-bas, c'est très calme aussi. D'accord. Voilà. Donc, voilà, c'est une belle bâtisse. Vous voyez, faut arroser les fleurs et tout. C'est quand même d'autres tuer une maison comme ça. Ah, oui. Allez-y, vous pouvez rentrer. Ah, bah, vous êtes. Oh, c'est du tapis. Ah, c'est du tapis de vache. Attendez, je ferme la porte parce que. Ah, oui, quand même. Comme ça, n'est pas la prise d'avoir des voleurs. Oui, c'est un petit tapis de vache que j'ai acheté. Attendez, je vais voir si j'ai fermé ma voiture, moi. Allez-y. Je rouvre, hein. Bon, un beau salon, sûr. Hein. Ouais, ouais, ça, c'est une enceinte que j'ai rajouté moi-même. Oh, c'est y a un gros bloc son, là. Ouais, là, ça envoie, là. Vous voulez voir? Vas-y. Attends, il faut que je connecte le truc. Ouais. Pas votre truc. Si, regardez. Attendez. Oui, qu'est-ce qu'on peut mettre? Tiens, on peut mettre ça. Jamais la France. T'as vu comme ça claque? Une telle décision, évidemment exceptionnelle, évidemment temporaire, je vous demande d'être responsable et de ne céder à aucune panique. Nous sommes en guerre. Alors moi, je n'en veux pas! T'as vu, ça claque, hein? Alors que ouais, tout ça, aujourd'hui, en plus, elle est bien celle-là, c'est la dernière, elle vient de sortir. Un grand plan. Comment? Un grand. Hein? Y'a un grand. Ouais. De jour comme de nuit. Ça arrive, hein? Ok. La même guerre qu'on a fait tomber tant que ça. Je crois que ça arrive bientôt là. Ok, oui. Vous enculer. Ouais, après faut pas. Après les paroles sont un peu rudes, hein. Plus loin, plus intense. T'es vu? C'est incroyable, hein. Mais c'est dingue, hein. Bon, je coupe parce qu'après ça a mal à la tête. Okay, pas mal, le système son est pas mal. D'accord, et puis là vous avez une petite vue sur... Oui, petite vue quoi, voilà, ouais.
Et vous avez vu, j'ai rééquipé des petites enceintes pour le système son pour que la musique se propage dans toute la maison quand on fait des gros stuff. Comment ? Elles marchent bien les enceintes ? Ah ouais, nickel, ouais. Ouais, parfait. Vous les voyez ? Non, ça va. Voilà, là, voilà, il y a une plante. Alors là, on arrive dans mon espace un peu privé, bien sûr, mon antre, hein. Ouais. C'est ma chambre, voilà. Oh, oh, waouh. Donc, alors, c'est un lit 3 places. C'est un lit 3 places, hein. Donc, là, c'est le dressing. C'est un beau lit 3 places. Ouais, là, c'est la salle de bain. Regardez la belle salle de bain, là. Oh, ça, j'aime ça. Oh, la baignoire, là, il y a moyen de... Il y a moyen de faire des trucs, là, dans la baignoire. Il y a moyen de prendre des bains, hein. Ah oui, t'es dans... oui, hein. Regardez la douche, on peut même s'y mettre à 3 dans la douche. Oh oui, bah même bien plus, tiens. Ah, la penderie aussi, là. Ouais, gros dressing, là. Et il y a encore en bas aussi, hein. Okay. Et là, c'est là où il y a mon, y a ma médaille d'honneur de l'état de Saint-Andrés et tout, quoi. Là-dedans, hein. Oui, là-dedans, ouais. Normalement, hein, je crois, hein. Pourquoi il y a des bugs de mariage là-dedans, hein. Vous êtes marié? Non, mais au cas où. Ah, hein. Vous êtes marié? Non, je les ai récupérés. Vous êtes marié avec qui, hein? Et je serais marié, elle serait à mon doigt, elle serait pas dans le coffre. Sacré con, ouais. Bah, et moi, elle est dans le coffre, hein. Ah oui, vous l'avez pas sur vous? Non. Ah oui, c'est fou ça. Bah, le shérif, c'est pareil, il la garde jamais sur lui, on sait jamais, hein. Eh? Qu'il se la fasse voler, parce que moi je peux vous dire un truc qui est dingue, d'accord? Oui. Le petit enculé là qui me vole ma bague de mariage, oui. Je peux vous dire que c'est pas au pénitencier qu'il va aller. Ce genre, pour 38, vous allez prendre le dernier appel. Bah ailleurs? Ah oui, d'accord, ouais. D'accord. Ah, et. Oui, oui, bah, je vois bien. Hein. Ouais, et je vois bien le jour. Valeur inestimable, alors que tu vas falloir qu'il rembourse ça. Bague de mariage du procureur, vous imaginez? Oui, j'entends bien, ouais. Donc, ouais. Donc là, c'est là où il y a ma médaille d'honneur de l'état de Saint-Andrés et ma coupe de 3ème oui. place des Feli Games aussi. Bah, d'ailleurs, qui est-ce qui doit avoir la bah, filet hein, pour avoir supporté une triple promotion hein. Oui. Oui, oui. Et ouais. Oui, bah vous avez jamais vécu une triple promotion. Ça, vous pas je me suis enculé par Musain dans un parking. Ah. Il y a Mich qui vient à nouveau. Là, qui va passer oh, qu'est-ce qu'il me veut lui? Il veut vendre sa voiture peut-être. Ah putain, alors moi je vais quand même m'esquiver avant qu'il arrive, hein, d'accord? Oui, parce oui, qu'il veut me parler, pas. Pourquoi, ah ouais, ouais, d'accord. Ouais. Donc, poser deux, trois trucs là, et puis. Non, dégagez avec vos merdes là. Oui, oui, vous inquiétez pas. Donc il y a deux fours aussi. Ici on peut poser son téléphone pour. Alors c'est pratique là, on pose son téléphone et comme ça fait mixeur aussi en même temps. Et. Grippin, tout ça. Donc, ouais, c'est 450 000 net vendeurs, hein. Ouais, vous pourriez faire un effort pour un ancien mentor. Oh, je pourrais, ouais. Et hein? Ça dépend de combien d'efforts on se le fait, hein. Bah, 400. 400. 400, quand même. Y'a pas un vice caché là-dedans, là? Ah, y'a pas de vice caché. Le seul truc pourquoi qu'il y a... Pourquoi vous le vendez? Oui. Mais parce que moi je vous dis, moi je n'y suis jamais. Et en fait c'est un peu le truc, une fois qu'on l'a en fait, bah je suis là, je suis en mode bah je l'ai. Ouais, puis, ouais ok. Moi, si je vous la revends, l'objectif ce sera d'en acheter une autre prochainement. Mais oui, je peux aller vivre dans un appartement, machin, genre rien à foutre. Enfin, le temps de vivre un mois ou deux. Et puis, voilà. Et puis c'est surtout que tout seul, c'est des frais quand même, hein. Ah oui, frais, j'imagine. Hein. Eh oui, j'imagine, non? C'est pas cool. Alors, si, il y a juste un truc, c'est la porte du garage qui ferme mal. Ouais. Ouais, là, c'est ça, quoi. C'est ça le problème. Hein. Vous avez pas fait votre crémière, d'ailleurs? Non, j'ai rien à foutre. Y'a Mich qui est là. Ah oui, oh. Mich qui est là. Ah, quel plaisir. Donc, ouais, le seul problème, c'est la porte qui ferme mal là-bas, là. Ok. Ouais. Ah oui, elle est un peu abîmée. Oh, attendez, ça va bien retirer 20 000 balles de réparation, ça. Ouais, en effet, oh. Ouais. En effet, je pourrais descendre à 430 000, du coup, ouais. Ouais, vous pouvez descendre à... Ouais, 400 000. 400 000 vous voulez vraiment l'acheter? Bah, je pense, oui. Bah non, je cherche une maison depuis un petit moment, et bon, voilà, quoi. 400 000 400 000, mais faudrait que... Est-ce que le shérif revienne demain? Oui, non, mais c'est pas urgent, de toute façon, vous inquiétez mais pas. Moi, je vous la vends en plus parce que c'est vous, hein, ce sera un connard.
Oui, oui. Mais il faut que je vois si le shérif est ok, il faudrait qu'il la visite, quoi. Oui, d'accord, bah vous me redites, il n'y a pas de... y a pas d'urgence, hein, vous inquiétez pas. Oui, très bien. Vous l'avez acheté combien, là ? Combien je l'ai acheté ? Ouais. Oh là, vous me demandez des trucs, là, c'est il y a si longtemps. Ouais, bon, vous l'avez acheté à moins de 400 000. Bon, après, c'est normal de faire une plus-value aussi sur une vente. Eh oui, hein, sur une vente, une, bon, une maison. Vous pourriez faire un petit effort pour le procureur général ? Oui, je pourrais faire un effort. Et vous savez quoi ? Par contre, on part plus de négociation après tout, hein, d'accord ? Ouais, dites-moi. 390. Allez, 380 et on parle plus de négo. Pour la porte de garage. Allez, j'accepte. Bon, et eh ben je vois que le shérif pour qu'on fasse une contre-visite là, d'accord ? D'accord, ok, pas de soucis. Et parfait. Bon, attendez, j'ai quand même salué. Oui, quand même. Autre là, oui. Et oui, Kid, moi ça me fait plaisir d'être allé avec des avocats de la trempe de monsieur Welland. Bonsoir, monsieur Welland. Vous allez bien ? Ah bah ça va, vous ? C'est Michel. Quel énorme faux cul. Et bah toi aussi, dire qu'elle est belle sa voiture. Ouais, non, mais c'est parce que moi j'ai besoin qu'il soit dans les meilleures dispositions. Ouais. D'accord. Bon, je sais qu'il me déteste, alors quand il arrive et qu'il dit les avocats de la trempe de Welland, ça me fait beaucoup rire. Ah oui. Ouais. Je suis sûr qu'il m'a insulté avant de traverser la route. Il fait quoi ? Oui, excusez-moi, je vous dérange un instant, monsieur le procureur, pour vous signaler que finalement la vente à 380 000 ne sera pas. Comment ça ? Parce que moi j'ai fait mes calculs, là. En fait, je perds de l'argent. Ah bon, comment ça ? Oui, parce qu'en fait, je suis... heureusement, Mich m'a rappelé combien j'avais acheté la villa, tout ça. Et du coup, je me fais entuber de un peu plus de 50 000 balles. Ouais, quand même. Et parce que je me rappelais plus que je l'avais acheté à ce prix-là, donc... Ouais, mais bon, vous avez pas de parole, quand même, là. Ouais, j'en ai rien à foutre. 33, retour patrouille, direction Alphalès. Ouais, j'ai pas de parole, ouais, j'en ai rien à foutre. Bah, vous la vendez combien, alors, là ? Bah, du coup, 450 000, comme ça, je me fais un petit truc... Putain, quand même, je suis fonctionnaire, moi, hein. Oui, bah, vous avez qu'à passer avec tout le monde, là, voir le gouverneur qui exproprie quelqu'un, ou je sais pas, ou voilà, quoi. Ah, c'est l'idée, ça aussi, hein, mais bon... Donc oui, les 450 000 vont pas être négociables. Oui, finalement. Et finalement, ouais, c'est pas négociable. T'es dur en affaires quand même, hein. Je suis dur aussi. Moi, faut bien que je retombe sur mes pattes, hein. Ouais. Et je vais pas faire don à tout le monde de ma fortune et de mes biens. Justement, un collègue qui est en train de me le rappeler à côté de moi, là. Peut-être publier une lettre ouverte, moi. Oui, bah si vous voulez, pourquoi ? Que j'ai pas de parole ? Ah non, pas sur ça. Ah, sur quoi ? Ah, vous savez, je suis procureur général, je pense que ce serait intéressant que je publie des choses sur des grands principes de la justice, quoi. Oui, sur quoi ? Eh, mais dites les termes, là. C'est-à-dire ? Et je sais pas, sur quoi... Non, mais faut que je réfléchisse encore, je sais pas, Kid, je sais pas. Oui, bah, écoutez... Bref, c'est 450 000 et puis c'est tout. Oui, bah, 440, 430, ouais. Non, parce que non, après, moi, je perds de l'argent, là. Vous perdez de l'argent, vous avez combien, là ? J'ai combien ? Mais je le mérite cet argent, monsieur le procureur ! Ah, ouais, oui ! Bah oui, bah fallait vous qualifier au Félix Games plutôt que de faire de la merde et même pas participer à la finale. Oui, qu'est-ce que c'est, sergent ? Après, moi, j'ai autre chose à foutre, hein, quand même. Hein. Oui, bah vous avez autre chose à foutre, mais est-ce que c'est mon problème ? Non, par contre, je suis un peu déçu quand même là, je vais pas vous mentir. Vous allez me dire rien à foutre, voilà. Oui, je l'ai bien compris, ouais. J'ai bien compris que vous avez rien à foutre de tout. Hein. Oui, ouais. Et là, mais je peux pas faire don à tout le monde de machin, oui. Déjà, je m'en sépare pour vous faire plaisir, mais si en plus je me fais entuber de. Je perds de la thune, non, au bout d'un moment, stop. Hein. Alors attendez. Attendez, je me lève là. Et là, en plus, c'est uniquement pour vous faire plaisir que je la vends. Attendez, est-ce que. Oui, non, mais comment ça pour une. Bah non, vous m'avez dit que vous en avez rien à foutre, que vous passiez pas de temps dedans. Et oui, mais si vous la voulez pas, moi je la garde, je la vendrai après, à personne d'autre. Et si 380 000 dollars et un service ? Un service, c'est-à-dire, vous allez me. Genre, je commande à McDo, vous allez me le chercher, voilà. Un quoi ? Un burger chez Arc. Ouais, et puis quoi ? Puis vous voulez un truc au bout de 50 trucs de fidélité aussi ? Oui, pourquoi pas, tiens. Ton café. Ouais. Non mais vous comprenez ma position, monsieur le procureur. Oui, mais bon, vous savez, il n'y a pas que l'argent, hein. Il n'y a pas que ça. C'est qu'avoir un service rendu par le procureur général, c'est quand même pas donné à tout le monde, non. Attendez, je vais demander à un collègue.
Sergent ? Oui ? Vous connaissez des services qui valent 100 000 balles ? Un service qui vaut 100 000 balles ? Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire à un service à 100 000 balles ? Un sergent, il connaît rien. Un truc légal, je sais pas trop. Un bon. Truc légal, ouais, on connaît pas trop, ouais. Ouais, ouais. Et puis, si c'est le procureur, sergent, qu'est-ce qu'il pourrait nous faire ? Je préfère pas savoir. Genre une immunité totale jusqu'à la fin de mes jours ? Ah bah, ça dépend ce que vous faites, hein. Genre un poste à vie au LSPD ? Bah, ça, j'ai pas ce pouvoir-là, hein. Enfin, après, Il suffit de suivre certains exemples, hein. Ouais, mais... Genre un poste à vie au sein du gouvernement, il y a quand même un emploi fictif en fait. Bah ça faudrait, mais à mon avis, il vous embauchera jamais le couple. Hein. Ah oui, oui. Oui, non, mais au bureau du procureur, oui. Ah, au bureau du procureur ? Oui. Oh, vous feriez chier, il y a de la paperasse partout là. Ah non, mais je ne ferai rien. Ah oui. Ah non, les emplois fictifs c'est interdit. Hein. Ah oui, c'est interdit, oui. Non, en fait, ouais, vous avez raison, j'ai rien à vous proposer. Je verrai 450 000 balles, j'en parle avec le shérif, d'accord ? Oui, d'accord, ça marche. Mais voilà. Comprenez bien, c'est pas pour me faire de l'argent ou quoi, mais bon. Si. Non, mais. Un peu quand même. Mais je me fais rien du tout. Bah, si, vous faites 450 000 dollars. Non, puisque c'est. Et vous l'avez acheté combien la maison ? Et justement, je les ai achetés, cette somme-là. Vous l'avez acheté 450 000 balles la maison ? Non, un peu moins. Mais parce que. Après, faut l'acheter, la maison. Et moi, là, quand je la vends, je me refais pas ces sous-là. Ah putain, mais attendez, là. Ah bah oui, vous y pensiez pas, monsieur le procureur. Ah, attendez, je viens de penser à un truc, là. Oui. Ah putain, c'est cher, eh. Eh oui, parce que moi aussi, quand je... Ah non, c'est trop cher. Parce que moi aussi, à l'époque, quand je l'ai acheté, j'y pensais pas, mais... Là, vous voyez, si je la revends, je me fais pas le prix que je l'ai acheté à la mairie, vous voyez ce que je veux dire. Je perds 100... Ça coûte combien de baraques quand même, comme ça ? 130 000... 260, je crois. Ah oh ouais, non mais attendez, ça ferait 660, j'ai pas 660 000 balles. Enfin non, ça ferait 710, j'ai pas 710 000 dollars. Mais non, ça fait pas 710. Ah si. Et non, 450 plus... Ah oui, ça fait 710 000 balles, là. Hein. Non, je les ai pas. Donc non, laissez tomber. Ah c'est oui, pas possible. Okay. Non, monsieur, hors de prix. Non mais au bout d'un moment, faut que les gens... Faut que les... Je vais voir avec le gouvernement pour limiter, pour encadrer tout ça. Bah <c'est... rire> ah mais vous avez raison, monsieur le procureur. C'est pas possible. Ah, je vais voir ça parce que c'est de l'argent qui transite et on n'a pas d'œil dessus là. C'est bien. Merci Kid en tout cas de m'avoir remonté ça et je vais faire en sorte que ça passe vite fait ça. Ok, aucun souci, monsieur le procureur. Allez, à plus tard. Au revoir. Hein.